Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ravis d'être avec vous sur le plateau de Morecard. Et j'ai avec moi Pierre, comment ça va Pierre? Ça va bien mon Plex. On est avec nous Chavix déguisé en Sackboy. Exactement. Avec la petite fermeture éclair, c'est plutôt bien fait ça. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça? On peut, mais mes organes tomberaient, tu vois. Ouais, ok, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, on va tout de suite retrouver Doc Pierre qui va nous en dire un peu plus sur Little Big Planet. Le 7 novembre 2008 débarque la petite grande planète développée par Media Molecule, un studio naissant avec des petits gars qui s'étaient déjà fait la main sur du Theme Park World et sur le fabuleux Black and White. On retrouve Sackboy dans un système de jeu de plateforme à la Rayman 2, avec un petit avantage quand même, il part sur un système de jeu à la 2,5D. Je vous explique tout de suite, c'est un système de jeu 2D normal avec 3 plans de profondeur. On y retrouve aussi un éditeur de niveau avec de la création un peu à la Tony Hawk et un aspect multijoueur avec des mini-jeux à la Trackmania. Justement, Doc Pierre, le multi, on va en faire juste après tous les trois, mais Chavix, t'en dis un peu plus sur l'histoire? Ouais, alors Little Big Planet, bah, c'est ma planète de base. C'est un monde imaginaire, miroir lyrique de la Terre. Ouais. Et cette planète, elle a été imaginée, enfin, elle est tout droit sortie de vos imaginations durant vos rêves. Okay. Et donc, vous venez m'aider à sauver ma planète en incarnant un petit sack boy ou sack girl, si vous êtes des meufs, t'as dit. Comme toi un peu. Ouais, à ce moment-là, ouais. Et donc. T'as quand même un tutu, hein. Enfin, je dis ça, j'ai rien, mais. Voilà. Ok, alors, tu vas nous montrer, Chavix, vite fait, qu'on peut customiser son personnage pendant que tu fais la gueule. T'as vu qu'on peut, avec les flèches directionnelles. Alors, moi, on voit pas trop parce que j'ai une espèce de grosse moustache. Mais on peut faire des sourires avec des langues qui sortent comme ça. T'es content, t'es pas content, tu fais la gueule, bref. Ouais. Tu fais la gueule, vas-y, mets-toi une vieille perruque, et on est parti. Nickel. Et un slip. La perruque à la Mireille Mathieu. Allez, c'est parti, vas-y. Pierre, on lance le niveau. Alors, donc, on va partir dans le mode histoire. On a énormément d'univers différents. C'est ultra varié, c'est vraiment génial. Et à l'intérieur de chaque univers, t'as des mini-jeux, des jeux de plateforme, il y a vraiment tout. Là, on va partir dans un jardin de Sensei. Et d'ailleurs, les mini-jeux, comme tu dis, sur PS Vita, ils ont sorti le jeu il n'y a pas très très longtemps, et c'était plutôt bien fait ça, parce que bah, tu sais, utilises vachement bien les spécificités de la Vita. Ah oui, avec l'arrière aussi. Hein. Ouais, exactement. Stylé, ça. Et on va profiter du temps de chargement pour vite fait dire que c'est un jeu qui est vachement communautaire, et dans lequel on peut partager ses niveaux, et ça c'est une grosse force du titre. C'est clair, c'est complètement dingue, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur des vidéos en fait. Il y a les Sackies. Les Sackies. J'étais en train de jouer. Il y a les Sackies en fait qui ont été faites par Sony eux-mêmes et donc qui récompensent les meilleurs niveaux qui ont été faits sur le live. Donc ça c'est cool parce que ça te pousse vraiment à faire les meilleurs niveaux. Mais c'est long, c'est pas. Moi j'ai déjà essayé mon gars, c'était un espèce de niveau tout pourrave. Ouais, c'est long. Carrément nul, tu sais, t'as des mecs qui font une espèce de Super Mario mais trop bien fait quoi. Grave. Il y a des cinématiques de dingue. Mais ce qui est marrant c'est quand tu joues en multi, au moins là tu te dis ah, putain ce niveau là il a l'air d'être complètement dingue. Bah ça donne surtout une durée de vie au jeu de malade quoi. Ouais. Alors là, je suis juste le dernier survivant avec mon maillot de bain et ma moustache. Alors on voit les monstres, c'est des petites boules, pour les tuer il faut juste sauter sur la petite boule, voilà. Je sais pas pourquoi vous avez pas réussi à le faire, tu vois, c'était évident. Je suis mort, ouais. Parce que j'essayais de sauter, mais à chaque fois que je sautais, j'étais synchronisé avec le gars, donc j'ai sauté au moment où il saute. Donc t'es juste mauvais quoi en fait. Non. Et là on arrive au niveau de ce truc là, alors là il faut s'accrocher avec R1, je sais pas si t'avais pigé ça Chavix. Ouais, en fait il y a juste deux possibilités, c'est sauter avec X et s'accrocher avec R1. C'est tout bête hein, mais finalement ça marche très bien quoi. C'est génial, vraiment. En fait il faut vraiment gérer le moment où tu te lâches. Tout est dans le timing quasiment, ouais, exactement. Et là tu vois j'arrive pas à accéder à la deuxième roue. Et ce qui est génial c'est que tu peux accrocher un autre Sackboy. Donc en gros tu peux le faire chier quoi. Bah ouais, ou alors il y en a qu'un qui fait le truc, qui se démerde, et les autres ils restent accrochés. Ça, voilà, ça peut marcher badass, c'est d'ailleurs vu que tu vas y arriver, j'espère. En fait vous êtes en bas et vous m'embêtez. Bah non, ouais c'est vrai. En fait, ouais, c'est que le but c'est quand même d'attendre ses potes, tu vois, à la base. Mais bon, ouais. Quand il y en a qui arrive et qui est vraiment devant tous les autres, et bah, on a 5 secondes pour le rejoindre. Une baffe là, il mérite bien ça de ne jamais nous attendre. Ah oui, c'est énorme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une espèce de. Comme disait le docteur Pierre, c'est une fausse 3D, c'est une 3D. Une 2,5D, ouais. En fait, t'as 3 niveaux, tu peux aller au milieu, devant ou derrière. D'ailleurs, c'est un truc, moi, c'est une petite critique que je ferais là-dessus, c'est que c'est pas toujours évident d'aller sur le bon plan quoi en fait, c'est 3 plans différents et c'est vrai que des fois c'est pas facile. Et ce qui est dur des fois c'est des mecs qui créent leur niveau en live et ils gèrent mal ça. Ouais mais ça c'est normal. Mais bah, tu prends ceux qui ont les meilleurs Sackies et puis t'es sûr de tomber sur le bon niveau. Putain, j'ai encore confondu mon personnage. Ouais, bah ça c'est le problème, c'est quand t'es beaucoup de persos et tu. Bah, d'ailleurs moi je suis mort aussi. Je sais même pas quel était. Quand t'as beaucoup de persos et qui sont tous déguisés pareil, c'est même pas la peine quoi, tu peux pas voir quel est ton perso. Ouais non mais je suis pas mort en fait. C'est moi qui suis mort, mec. Ouais, j'avais confondu ton perso. Ah merde, j'ai mon lien. Et Pierre, toi, tu disais que tu l'avais fini avec pas mal de potes à toi, le jeu. Ouais, ouais. En fait, j'ai jamais joué tout seul. Et
Et c'est tellement un kiff de jouer à 3, à 4, à 5, tu fous des tartes tout le temps, enfin là... Ouais, c'est un peu comme les Rayman, ils ont fait un peu pareil pour Ouais, le jeu Rayman. Ils sont inspirés... Clairement, tiré de là, ouais, c'est sûr. Et un truc qui est bien aussi, c'était que pour ceux qui avaient eu le bug, hack du PSN, ils avaient offert ce jeu. Quand ils avaient offert ça, Infamous, et comme quoi vraiment ce jeu-là... C'est une grosse référence, hein. Ça fait partie des licences de Sony que Sony utilise depuis qu'ils l'ont créé sur toutes les consoles. Pire, c'est un petit studio qui n'était pas connu avant. Et les mecs, ils ont fait un jeu, mais... Ça, je trouve ça cool, moi. Des mecs qui partent de pas grand-chose. C'est toi, Chavik, c'est tout un. Ouais. Putain, tu mettais une leçon à tout le monde, mais finalement... j'ai cru ma part, je suis tombé. J'ai presque cru. Et il a sauté accroché. Ouais. Non. J'ai le checkpoint. Et c'est marrant parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est un jeu, vachement enfantin, tu sais, tout mignon et tout. En fait, c'est ultra compliqué d'arriver au bout des niveaux. Et vraiment, franchement, tu galères et tu te vénères, tu jettes ta manette à ta télé, enfin des trucs un peu comme parce ça. Parce que t'as un nombre de vies limité en fait. Tu vois, sur le cercle, il y a des trucs blancs là. Ouais, ah, c'est ça, ouais. Le checkpoint, une fois que c'est vide, c'est ça, tu dois. Qu'est-ce qu'on fait après? Ah oui, mais c'est parce que je dois vous attendre. Bah ouais mec, mais on a dit, faut jouer en équipe, toi tu fais ton kéké à partir devant tout seul aussi. Ah non, je vous attends. Attends, où est-ce que je suis là? Mec, t'es tout seul, vas-y, essaye de nous amener au bout. Bah je peux pas parce que ça zoome sur vous quand je suis en haut, donc je sais pas où il faut que je saute. Ouais, bah je pense que c'est le bon moment de demander à Doc Pierre ce qu'il pense du jeu. Exactement. Alors les gars, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je vous dis play, create and share. Bon, vous avez compris, c'est à vous de jouer. Nous, on est toujours en train de galérer sur le même niveau qu'on n'arrive pas à terminer, on n'arrête pas de mourir depuis tout à l'heure. Parce que vous êtes trop nul. Ouais, ok, c'est vrai, c'est un peu vrai. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. À très bientôt.